François Maillot, je voudrais revenir avec vous sur votre activité sur Internet, hein, parce que vous avez une plateforme sur Internet qui est très active. Je voulais savoir un peu si vous avez des chiffres à nous communiquer, un peu l'activité de cette plateforme, par rapport à votre activité de librairie traditionnelle, j'ai envie de dire. Oui, enfin, pour faire juste un tout petit peu d'histoire, en fait, la Procure qui est une librairie un peu atypique, parce que vous disiez tout à l'heure que c'était une librairie religieuse, ce qui est vrai, et on est très fiers de ça, mais c'est aussi une grande librairie générale. Je dis toujours qu'on a trois spécialités à la Procure que j'aime bien distinguer. Le religieux, on va dire le religieux confessionnel, grand public, les sciences religieuses et les sciences humaines. Et que c'est cette articulation entre ces trois continents qui d'abord nous intéresse et qui ensuite fait un peu la spécificité de la librairie. Donc c'est une librairie qui est de taille relativement importante, évidemment, vous la connaissez, et qui a une vieille tradition de vente par correspondance classique, avec des catalogues papier qui continuent et qui sont pour nous une activité importante, parce que il n'y a qu'une seule librairie comme ça, je dirais, en France. Certains disent que c'est la meilleure même en Europe, donc je prends le compliment. Et donc évidemment, par définition, nous sommes une librairie de destination et non pas une librairie de proximité. D'accord. Donc évidemment, la vente par correspondance a toujours fait partie de l'histoire de la culture d'entreprise. Et évidemment, on a fait le virage Internet, un premier site au début des années 2000 qui était paléolithique. voilà, et puis, mais comme... beaucoup de gens, oui, hein, voilà, ça avait au moins le mérite d'exister, ouais, et de montrer que la Procure voulait se positionner là-dessus. Et puis en 2006, on a vraiment fait un très gros travail pour faire un site internet. On s'est dit, en gros, on ne va pas rivaliser avec Amazon et avec Fnac.com en tant que grand site généraliste. En revanche, sur nos spécialités, on peut être là, ouais, et parfois on peut être mieux. Donc on a voulu créer un site qui soit le plus le reflet de la librairie physique telle qu'elle est aujourd'hui à Saint-Sulpice. Et c'est une activité maintenant. Et c'est une activité qui aujourd'hui, on a un chiffre d'affaires. La Procure, c'est 15 millions à peu près et demi de chiffre d'affaires, ouais, sur l'ensemble de l'entreprise, donc compris le point de vente Navire Amiral, les petits points de vente physiques annexes, la vente par correspondance classique et Internet. Et Internet a fait l'année dernière pratiquement 1 million de chiffre d'affaires. Il y a 4 ans, c'était moins de 100 000 euros. Donc c'est une vraie progression. Au mois de décembre, qui a été pour nous vraiment un mois d'explosion de notre site, ouais, j'ai eu quelques chiffres, hein, mais ça a été quand même près d'1 million de pages vues. Ça a été plus de 250 000 visiteurs, ouais, et on a fait plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires sur le mois de décembre. Mois de décembre. Ouais. Donc, pour nous, on voit bien qu'il y a véritablement une demande, parce que, et ça, c'est la grande question qui, à mon avis, est la question centrale de la librairie aujourd'hui, qui est la qualité. La librairie, elle ne peut être véritablement, remplir sa vocation, que si elle joue son rôle, notamment en termes de fonds, en termes d'assortiment, en termes de conseils. Mmh. C'est ce qu'on essaye de faire, mais c'est très difficile à faire. Mmh. Ne serait-ce que pour des raisons économiques. Parce que pour avoir du fonds et pour avoir du conseil, il faut avoir des mètres carrés. C'est de plus en plus difficile, notamment en centre-ville, dans les grandes villes. Et puis, il faut avoir du personnel pour ça. Combien de personnes s'occupent du site chez vous ? Alors, le site, pour nous, c'est au fond, il y a 3 personnes. Mmh. Donc, c'est très peu, mais en même temps, la direction de l'entreprise que je représente s'en occupe aussi beaucoup. Donc, et les libraires de la Procure, les libraires physiques qui sont dans les rayons, sont concernés par le site. En animant leur rayon, ils animent également le site internet. Donc en réalité, d'une certaine manière, c'est toute l'entreprise c'est les 80 personnes de l'entreprise qui sont à un degré ou à un autre concernées par le site internet. Mmh. Mais le site internet, c'est une responsable marketing internet chez nous et 2 webmasters. Ouais. C'est tout. Mais ça permet que cette activité émergente soit d'ores et déjà rentable. Nous, les libraires ont cette, sans vouloir faire pleurer dans les chaumières, mais les libraires ont quand même cette contrainte de devoir aujourd'hui se lancer sur des nouveaux marchés, qui sont des marchés malgré tout consommateurs en termes d'investissement
notamment technologiques. Mmh. On sait bien que quand on fait un site internet, c'est toujours des, enfin, c'est en perpétuelle amélioration, reconstruction. Mmh. Donc ce sont des frais informatiques permanents. Il n'y a pas un moment donné, comme un magasin, on se dit on l'a rénové, il est beau, pour 10 ans on est tranquille. Non, sur internet ça ne se passe pas comme ça. Donc c'est quand même très consommateur en termes de coût d'investissement. Et en même temps, l'économie de la librairie est quand même juste à l'équilibre. Donc il faut qu'on arrive à se développer sur ces créneaux tout en trouvant une rentabilité à peu près immédiate. En tout cas, on ne peut pas se payer le luxe, comme certains, de perdre de l'argent pendant 10 ans sur internet ou sur le numérique. Voilà. Donc on ne peut pas mettre énormément de ressources complètement là-dessus. Mais quand un site internet, c'est notre modèle à nous, est vraiment articulé à l'esprit de la librairie physique, du coup, on peut avoir des gains en termes de synergie qui sont assez intéressants. Alors, oui, vous êtes le spécialiste de la religion et je voudrais un peu revenir. Est-ce que vous voyez maintenant Google comme le diable, comme le messie? Les pères du désert enseignent généralement à leurs ouailles qu'il ne faut pas voir le diable partout, il faut plutôt regarder d'abord ses propres insuffisances que voir le diable ailleurs. Ouais. Donc c'est une très bonne métaphore pour dire que tout ce qui se passe aujourd'hui nous oblige, nous libraires, à être plus malins qu'avant, plus professionnels encore qu'avant, on l'est depuis longtemps, mais encore augmenter notre qualité, et notre qualité, c'est notre connaissance des fonds, notre capacité à les vendre, et notre capacité à faire l'interface entre des auteurs et des éditeurs, et des lecteurs. Donc du coup, pour répondre quand même à la question sur Google, c'est ni le messie ni le diable, mais ce qui est certain, c'est que on regarde avec beaucoup d'intérêt à la procure, et je pense dans l'ensemble de la... Je peux parler aussi pour l'ensemble de la librairie, ce qui va se passer au niveau de Google, avec Google e-books en France, avec un double paramètre. Il y a évidemment un point de vigilance, et Philippe le sait bien, c'est que à partir du moment où Google va vendre aussi, c'est un nouveau concurrent dans le panorama de la vente de livres, et donc, bien évidemment, on ne peut pas regarder ça comme si c'était anodin. Mais en même temps, il nous semble que dans cet univers, notamment du livre numérique, qui est quand même très compliqué et où il ne faut pas se leurrer, c'est pas un libraire dans son coin, ni même juste un portail de libraire à initiative politique qui va à elle seule damer le pion à Amazon, Apple, Google, réunis ou divisés, qu'importe. Mais c'est en essayant de trouver dans la nouvelle manière dont les gens ont finalement de chercher de l'information qualifiée. Et moi je pense que le livre est au fond la vraie information qualifiée aujourd'hui. Et je crois que le livre papier, puisqu'on est en train de parler de numérique, restera très très longtemps le centre de finalement l'objet privilégié d'une véritable connaissance humaine. Ça, je suis persuadé. Mais le livre numérique, notamment en termes de recherche, me paraît extrêmement important. Et donc, il est évident que si les libraires peuvent rentrer dans un partenariat équitable, je dirais, avec Google, et si sur Google e-books, nous pouvons effectivement avoir du flux de chiffre d'affaires, non pas parce que nous serions des espèces de petites picassiettes qui mangerions les miettes qui nous tombent de la table, mais parce que nous avons en tant que libraires une qualification que Google n'a pas, et que nous avons, qui est d'être des vrais prescripteurs auprès de clients que nous connaissons. Voilà. Et ça, là-dessus, je crois qu'il peut y avoir une sorte de complémentarité dans un univers numérique où chacun doit bien trouver sa place, et la place du libraire, elle est bien là.